Je me sens bien avec vous. Je sais pas si c'est la lumière ou... Non, ça doit être vous. Parce que l'autre groupe, ça m'a pas fait ça, en fait, juste avant. On est parti d'une pièce qu'on a fait il y a 3-4 mois, comme ça, en février. Et l'idée était de rebondir sur cette pièce qui traitait d'Emma Bovary. On cherchait Bovary à Payerne, c'était ça le concept. Et puis après, on a voulu faire quelque chose pour la cité. Et puis là, il y a eu l'idée de travailler avec Dominique. JO et JO, Jeux Olympiques, j'avais jamais pensé. Avec Dominique, Jeux Olympiques. Oui, c'est mon côté champion. Ouais. Et du coup, elle est venue voir ce qu'on a fait il y a 3 mois. J'ai pris des notes, beaucoup de notes, pour faire un livre plus tard. Et l'idée était de voir comment nos deux univers rebondir l'un l'autre dans un. En tout cas, c'est performatif, un jeu de ping-pong, et, c'est pas une pièce. Ping-pong performatif, ouais. C'est un objet. C'est un objet, voilà. Un objet quoi ? Non identifié déjà, d'emblée. Ouais. Ouais, parce qu'il y a aussi les installations d'Estelle Ruyer, quoi. Ouais. Qui créent une espèce de contexte. Il y a un contexte, en fait. Et du coup, voilà. Et en fait, c'est comme une espèce de réunion de plein d'éléments. Et puis, c'est aussi déjà une rencontre parce que, voilà, on s'est rencontrés artistiquement et puis là, on se rencontre humainement aussi et ça crée aussi des choses. On n'est pas hermétique, donc du coup, c'est... Et tout ce mélange, c'est ce qui est... Enfin, le résultat, c'est ce un peu ça. C'est ce qui donne cet objet. C'est très expérimental. Et puis, c'est pas un truc où il faut venir chercher... oui, c'est pas une pièce avec un début, une fin. C'est plus, des univers, d'ambiance, d'émotions, ouais, de rire, de choses plus tendres, plus graves. Et il y a beaucoup de choses.